Machiavel conseille au prince de ne pas toucher aux biens matériels des citoyens d'une ville qu'il a conquise s'il ne veut pas la perdre à nouveau. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de ce que j'appelle la maladie de l'argent, c'est-à-dire de croyances et de comportements financiers qui provoquent du stress et qui perturbent les fonctions sociales et professionnelles. Le savais-tu, la fonction et la valeur de l'argent ne sont pas la même chose. La gestion de l'argent que nous avons adoptée pour faciliter les échanges et sa fonctionnalité, elle n'est pas programmée génétiquement en nous. Et elle nécessite certaines compétences mathématiques dont l'homo sapiens n'a pas toujours disposé. De plus, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'argent n'a pas de valeur propre. La valeur que nous attribuons à l'argent est fonction de ce que nous pouvons acheter avec. Elle dépend de sa rareté et de l'offre de biens disponibles. Et même l'or n'aurait pas la valeur que nous lui attribuons actuellement si certains paramètres changeaient. Pour plus d'informations, regarde mon article sur combattrelafatigue.com.